Il est 15h30 de l'après-midi et on va regarder un peu le manteau neigeux de ce côté-là. Alors on va se rapprocher. On va se rapprocher. Ici, je vois que encore à 15h30 de l'après-midi, ben, quand je tape, eh ben, j'ai toujours un revêtement qui est hyper dur, qui creuse pas trop, avec une neige qui fait pas trop des boulettes, qui est encore bien fraîche, bien dure et qui est agréable à skier. Donc là, en fin de journée, ça c'est une piste où la neige est encore nickel. Et on va aller voir de l'autre côté, tout à l'heure là, sur la piste, pour voir la différence avec la neige ici. Nous sommes sur le versant sud. Et là, bah, hop, petite démonstration. La neige, elle creuse, elle est mouillée, donc elle est lourde. C'est une neige qui facilite les chutes, puisqu'elle se prend facilement dans l'écart d'un élève qui serait débutant. Et ça, il faut le prendre en considération lorsqu'on fait certains exercices techniques. Alors en comparaison à la neige qu'on a vu tout à l'heure qui formait une grosse boule, donc la neige lourde, ici là on a une neige, alors malgré les 15 jours de, enfin les 7 jours de soleil qu'on a eu ici, eh bien on a une neige, hop, je peux pas faire de boule avec, regardez, ça c'est une neige qui est sur un versant nord, ça c'est une neige très froide, sèche, et donc qui va tenir toute la journée et qui va pas se ramollir.